Allez, salut tout le monde, c'est Tazo Récupération. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 111, un très beau chiffre 3-1 de notre Let's Play 100% sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. J'espère que c'était. En tout cas, j'espère que cet épisode va vous plaire. J'ai eu du mal à sortir cette phrase, mais c'est pas grave. Souvenez-vous de l'épisode précédent, nous avons récupéré l'objet du donjon. On avait même récupéré deux autres items importants, la boussole, et nous avons récupéré un tampon sur les deux. Alors je vais vous montrer où on en est sur la carte actuellement. Alors 3, 2, 1, c'est fait à 100%. 0, il nous manque un seul coffre à avoir au nord. Premier étage, il nous manque 4 coffres. Il nous manque 4 coffres également au deuxième étage. Et il nous manque 3 coffres au troisième étage. Après il y a le boss. Sachez que aujourd'hui c'est le quatrième épisode dans le donjon. Je sais pas quand, honnêtement ça m'étonnerait qu'on le finisse aujourd'hui, mais les fort probable que la prochaine fois on le termine. Donc soyez dans l'actualité, soyez au courant. On s'était arrêté sur cette salle. Je crois que cette salle ça représente le 50% de ce donjon. Donc du coup regardez ce qui nous attend. C'est une très grande salle. Et vous vous souvenez, si vous en souvenez plus, de cette plante. Alors on l'avait affrontée dans le temple sylvestre. Vraiment ça remonte il y a très très longtemps, hein. Mais on l'avait affrontée dans le temple sylvestre. Et du coup voilà quoi. Voilà. Et du coup bien. Et du coup, si vous vous souvenez, à l'époque, il fallait mettre une petite bombe là-dedans. Donc, on va mettre la petite bombe des familles. Alors, je vous explique pourquoi on reprend pas à partir de Baba, sachant que le Baba me téléporte malheureusement quand je quitte le jeu. Ça me téléporte à l'entrée de Celestia et du coup, ça m'annule l'effet de Baba. Et donc, du coup, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix de faire ça comme ça. Donc, il faudra m'excuser, mais ça sera... Voilà. Il faut qu'après, il y aura plus Baba, donc il faudra s'y habituer. Alors du coup, par contre... what? Ah par contre, toi tu dégages. Ok, nous avons eu un petit cœur, c'est ce que je voulais. Alors du coup, on va juste quand même s'enlever ça, voilà. On s'était, voilà, rendu là. Sachez que du coup, à présent... Bon, y a pas d'autres trucs d'accroche, hein, à part celui-là, mais... C'est tout ce qu'il y a. On peut pas le viser? On peut pas le viser. Alors du coup, il y a ça. Et du coup, il faut aller où? Ah, ici. Regardez, il faut aller ici. Merde. Ah, ben voilà. Nous y sommes. Alors, il y a un truc en haut, vous avez vu. Alors, du coup, ici, il y a quand même des coffres à récupérer. Il y a plein de petites choses à faire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va les faire. Ok. Tombe. Voilà. Bon, il est quand même très con, ces ennemis. Il faut vraiment le dire. Ils sont quand même, de base, assez con-con. Alors du coup, on va pouvoir du coup récupérer ce petit coffre qui contient un rubis jaune. Vous obtenez 10 rubis, parfait. Alors du coup, vraiment, ouais, c'est la foire aux rubis. Surtout que il y a énormément de coffres dans ce donjon. C'est un truc de malade mental. C'est un truc de fou. C'est un truc de sioux. Oh, on fait attention quand même. On fait attention. Alors là, du coup, il faut vraiment pas faire le petit coup. Il faut y aller tranquillement, sans trop se précipiter. Par contre, honnêtement. Toi, je te sens même pas. Et là. Et du coup, nous l'avons eu. C'est trop stylé, la Master Sword comme ça. Et du coup, on obtient des flèches. Vous obtenez 20 flèches. Éliminez vos ennemis de loin et sans risque. Bien. Alors, il nous manque à cet étage 2 coffres à avoir. Oh putain. Attention, grimpe doucement. Voilà, pas besoin de faire le fifou. Sachez qu'il y a, voilà, vous avez vu qu'il y a un truc d'accroche ici, il y en a même plusieurs. Donc il faudra y aller. Sachez qu'il y a un truc, vous avez vu en haut aussi. Ça permet un petit peu de voir ce qui nous attend. Donc on y va doucement mais sûrement. Pas besoin de se précipiter. C'est la pire des choses, se précipiter ici. Ah, attention. Voilà. Alors du coup... Ah, ici il faut se la jouer. Non, ça va. Ah, oui, on est obligé. Donc il faut se la jouer. Ok, d'accord. Il faut se la jouer Tomb Raider. Fais attention. C'est Assassin's Creed le truc. C'est Assassin's Creed le truc. Du coup, on va pouvoir. Alors attention, vous avez vu qu'il y avait une plante en haut. Honnêtement, on peut pas l'enclencher. On peut pas l'enclencher. Allez, viens. Bah, attendez, mais. Voilà, attention. Et du coup, nous l'avons eu. Et on va pouvoir du coup avoir le grand coffre qui contient
un fragment de cœur. Vous obtenez un fragment de cœur, 5 fragments formant un réceptacle de cœur, augmentant votre énergie vitale d'un cœur. Donc, il nous en manque plus que 4, vous avez vu à gauche. Ça commence à vraiment à évoluer tout ça. Alors du coup, on va pouvoir s'en aller d'ici, sachant que je crois qu'il y a un truc à... Voilà, il faut s'accrocher un truc en haut. Alors du coup, on fait attention, on regarde un petit peu attentivement, je crois que voilà, c'était ici. Ok, alors il y a un truc en haut déjà pour commencer. Ok, il y a rien. Par contre, on peut s'accrocher ici, c'est déjà bien. Et on va descendre tranquillement mais sûrement. Ah, attention. Attends, on va pas faire. Attendez, il faut pas faire le brise-casque ici. On va le faire plutôt comme ça parce que ça va appuyer sinon. Allez. Eh ben alors. Attendez. Boum. Oh putain, il veut pas. Hein. Voilà. What the fuck? Attendez, il veut pas. Et ben voilà, on l'a eu. Bon, au moins c'est fait. Ouh, 50 rubis? What the fuck? D'accord, pourtant c'était pas un ennemi coriace. Allez comprendre. Je comprends pas trop la logique du jeu des fois, hein, mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, nous sommes arrivés dans une nouvelle salle. Dans une salle un petit peu plus grande que les autres. Alors vous avez vu, et il y a un coffre je crois dans cette salle, on peut l'apercevoir en sachant qu'il y en a même plusieurs. Ah, premier étage, nous avons loupé des coffres ici. Hein. Oula, premier étage, nous avons loupé des coffres. Hein. ouais. Je sais pas si c'est pour maintenant ou pas en fait, je sais pas. Parce que la majorité des coffres, c'est soit au milieu ou soit à gauche. D'accord. Bon, on va tenter. On va d'abord récupérer les deux coffres qui sont là. Mais au premier étage, nous avons loupé deux coffres. Hein. Ça me tente envie de les récupérer quand même. Mais ouais, je sais pas où j'aurais pu les louper. Je les aurais vus quand même pourtant. Je sais pas. Bon, on va voir. Quand on verra, quand on arrivera vers la fin et qu'on a rien... Alors par contre tu dégages, illico presto. Toi aussi. Et toi aussi. Ok. Alors du coup on va pouvoir s'agripper ici. Alors du coup là cette fois-ci c'est un petit peu plus la phase un petit peu plus détente. Avec lequel il y a bas énormément de choses à faire. Je regarde quand même en bas parce que je sais pas s'il peut y avoir des coffres ici. Non, pas pour le moment. Ah attendez, il y a un coffre ici. Oh putain, heureusement que je regarde la carte en même temps. Ah, il y a aussi un autre coffre en face. Vous avez vu qu'il y a un autre coffre en face. Du coup, on va pouvoir l'ouvrir. Qui contient 20 rubis. Voilà, vous obtenez 20 rubis, c'est déjà ça. Sachez que du coup, il y a même une âme de spectre. Regardez. Il y a même une âme de spectre. Alors, on va du coup pouvoir se rendre là-bas. Enfin, c'est trop loin. Sérieusement, c'est à ce point trop loin? Ah, c'est à ce point trop loin, en fait. Votre avis, on va pouvoir arriver à la frame? Est-ce que j'aurai bien la bonne frame? C'est parfait. Ouh! C'est un peu galère, mais bon, on y est aussi parvenu. Alors par contre, l'âme de spectre, hors de question de m'avoir directement. On va tenter de rester attentif. Allez, viens. Et nous l'avons eu. C'est bon, nous l'avons eu. Et du coup, on va pouvoir arracher... What? Ah bah oui, là où elle est positionnée, c'est un peu plus compliqué. Putain, sérieusement. Le manque de bol. Voilà. Et du coup, ça nous fait notre 56e, si on compte bien à gauche. Âme de spectre. Vous obtenez une âme de spectre, vérifiez comment vous en avez trouvé sur l'écran de quête. Bien.
Et du coup, on a même un coffre. Donc, ça va se transformer en link automatiquement. Qui contient un tampon. Vous obtenez le tampon de caractère Alien G. Accédez à votre collection sur l'écran de quête. Alors, du coup, il nous manque à présent. Alors, il nous manque à présent, si j'ai bien compté, un fragment de cœur. Il nous manque à présent également. Alors, nous avons, il nous manque le fragment de cœur. Plus. La dernière arme de spectre avec la grande clé. Voilà, et plus quelques coffres. Bon, au moins c'est déjà ça. On avance, on progresse dans le donjon, c'est déjà ça. Du coup, on va pouvoir aller le voir tout simplement. Ce petit tampon. Donc, c'est G, hein. Donc, du coup, vous avez vu que nous avons complété le 100% de la page numéro 1 sur 5. Nous avons également complété la page 2 sur 5 à 100%. Ah, j'arrive. Voilà, me revoilà. Alors, je crois qu'on s'est arrêté sur la liste des tampons. On avait un petit peu montré ce que nous avons. Alors, on avait obtenu le tampon de caractère Alien G, si mes souvenirs sont bons. Donc, on peut voir que la première fiche, elle est remplie à 100%. Pareil pour la deuxième fiche. La troisième fiche, il me manque 4 tampons. La quatrième fiche, il me manque 3 tampons. Et la cinquième fiche, il me manque 6 tampons. Voilà, au moins, on peut voir ce que nous avons. Alors, on va continuer, tout simplement, on va continuer. Alors, on s'était arrêté, alors on peut viser, voilà, on peut viser ça. Je crois qu'on avait tout récupéré, donc ouais, c'est déjà bien. Je vais juste aller voir un petit peu la carte. Alors, il nous manque juste un coffre à trésor à récupérer au premier étage. Sachant, je crois que le premier étage, c'est ce qui est en bas, donc sur le sol, là. Donc, je pense qu'il y a un coffre qu'on a peut-être loupé ici. Je pense que c'est dans la zone en haut à droite, sachant que, regardez, ça a l'air, regardez, je sais pas si vous voyez bien la carte, mais là, dans le carré en haut à droite, ça a l'air d'être en haut à droite, ouais, ça a l'air d'être en haut à droite. Donc, écoutez, on va aujourd'hui avancer, on va un petit peu continuer. Alors, est-ce que ça, à votre avis, ça pourrait être celui-là? Non, celui-là, non, c'est pas celui-là. Ah oui, par contre, il faut faire un petit peu attention. Est-ce, du coup, il faut quand même que je vérifie s'il y a des coffres ou pas. Parce que j'aimerais pas me faire avoir. Je sais pas où il pourrait. Alors, normalement, le coffre, il serait ici, hein, normalement, si je vois bien. Et le coffre serait à gauche, tout en bas à gauche. Donc, il serait là environ, le coffre. Enfin, vers là. On va voir si c'est correct. J'espère que c'est correct parce que j'avoue. Non! Oh putain, mais l'empaffé. L'empaffé. Et bim. Ouh, putain, toi je t'ai pas vu, toi. Toi je t'ai pas vu. Toi je t'ai pas vu, mon gars. Ok. Payblade. Alors du coup, on va faire comme à l'époque. Souvenez-vous, hein, tout est limite repris du temple sylvestre. Alors je sais pas si c'est fait exprès. Peut-être pour revoir la nostalgie de l'époque et tout. Mais vraiment, il y a plein de choses qui sont repris du temple sylvestre. Bon, je trouve ça marrant, hein. Je trouve ça rigolo, je trouve que ça fait du bien. Ouais, vous regardez, il est affiché tout en bas à gauche donc de l'écran, le coffre. Mais putain, mais quel abruti, j'ai activé l'aérage. Oh là 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 là, et je pop ici comme d'habitude. Oh, je vais me tuer. Tuez-moi les gens. Tuez-moi, s'il vous plaît. Je vous jure. Y'a pas de cœur, hein. Décidément. Ah, voilà. Oui, on l'a eu. Bon, finalement, on a rattrapé notre retard. Oh, putain, mais... Comment ? Comment voulez-vous savoir? Putain, je vous jure. Alors, du coup, nous sommes là. Et cette fois-ci, on fait attention. Voilà. Et cette fois-ci, on se baisse bien. Parce que tout à l'heure, je me suis mal baissé. Sachant qu'on va pas tarder à arrêter. Parce que ça fait déjà presque 15 minutes. Voire, ça fait 15 minutes. Donc, ça fera du coup 5 vidéos dans ce donjon. Si je compte bien. Eh ben, dis donc. Bon, normalement, la prochaine fois, on le finit. Ou en tout cas...
Ouais, normalement. Enfin, j'espère quand même, en tout cas, parce que ça, serait un peu, ça craindrait un peu. Ah, regardez ce qu'il y a. Allez, descends, voilà. Et du coup, nous avons le petit coffre qui contient des bombes. Vous obtenez 5 bombes, amorcez-les avec XR, puis posez-les avec A. Courez et appuyez sur A pour les lancer. Bien. Non, on s'en fout de la Beyblade, j'en ai marre de l'activer. Non. Putain, dégoûté. Dégoûté. Attendez, attendez, y a pas moyen. Non, y a pas moyen de s'accrocher. Non, putain, ben il faut attendre. Faut attendre. Bah, vous savez quoi, on va casser tous les, toutes les herbes pour obtenir au moins des rubis. Boum. Allez là. Allez, go. On se concentre, on se concentre. Cette fois-ci, j'ai un peu été déconcentré tout à l'heure. Donc on se concentre. Vu l'heure, parce que là il est bientôt 17. Je sais pas. Non, on va s'arrêter sur la prochaine salle, je pense. Ce sera mieux. Oh, donc vous avez vu, on est en haut. Alors du coup. Du coup. Ah, vous avez vu qu'il y a du coup, voilà, de quoi s'accrocher. Putain, mais quel abruti, j'ai utilisé le mauvais truc. Par contre, honnêtement, ça, ça me dit rien qui va. Bon, par contre, on va. Les bottes de plomb, parce que là, honnêtement, je peux plus. Ok. Ah, très bien, on peut le viser. À votre avis, on peut le viser le dragon d'ici ou pas? Ça serait marrant. Je sais pas si ils ont prévu le coup, mais. Je sais pas où il est. Il est là. C'est chelou qu'on peut pas les toucher quand même. Putain, je vise mal aussi parce que je vise trop mal. Ah bah voilà. Quand même. Alors du coup, on va aller là. On va aller là. Voilà. Est-ce qu'on peut aller? Non. Alors du coup, il faut faire tout le tour parce que il y avait le coffre, souvenez-vous, là-bas. Là-bas, voilà. Là-bas, il y a le coffre normalement. Donc du coup, on va se retourner. Voilà. On va faire demi-tour et on va récupérer le coffre. Et du coup, voilà. Voilà. Bon, on va pouvoir ouvrir la porte pour accéder à l'autre partie du donjon. Enfin, à l'ancienne partie du donjon, mais d'une autre extension. Dans lequel, vous avez vu qu'il y avait un grand coffre qu'on va peut-être pouvoir ouvrir. Du coup, vous avez vu qu'il y a le grand coffre. Qui contient un fragment de cœur. Vous obtenez un fragment de cœur, trouvez-en trois autres pour accroître d'un cœur votre énergie vitale. Bien. Au cas où, sachez que en termes de quête secondaire, ça va pas non plus prendre trop longtemps. D'après mes souvenirs, il y a trois choses à faire plus le challenge. Donc honnêtement, tout ça peut prendre une, allez, deux vidéos. Donc dites-vous que le secondaire à présent va pas non plus être ultra long, sauf quand on finira le prochain donjon. Enfin. Quand on finira le prochain donjon ou avant d'accéder à l'ultime donjon, il y aura pas mal de choses à faire. Enfin, pas mal. En tout cas, les choses à faire, ça va être un petit peu plus long. Donc, il faudra s'attendre à du 10 épisodes à peu près pour y arriver. Mais honnêtement, c'est à peu près. Et du coup, les amis, on va s'arrêter là parce que voilà, regardez le temps, on est déjà bon. Alors, sachant qu'il y a des infos un peu de partout, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cette vidéo, épisode 111, vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode numéro 112 dans lequel nous attaquerons du coup à la suite. Et du coup, ça sera la cinquième partie de ce donjon, peut-être, et voire l'ultime, je pense, honnêtement, vu qu'on est bien presque à la fin. On a récupéré tous les fragments de cœur, tous les tampons, on a récupéré...
l'objet du donjon, plus la clé, enfin, plus la carte du donjon, plus la boussole. Donc honnêtement, il me manque juste une lame de spectre à avoir, plus la grande clé. C'est honnêtement faisable dans la prochaine vidéo et il suffira juste d'aller au boss. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cet épisode sur The Legend of Zelda Twilight Princess HD. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Hey, peace.